un médicament ? Pour un médicament. Bonjour. Je suis juste à l'heure. Merci pour l'argent, ça ira au soutien pour les gens qui ont le cancer et qui ne peuvent pas se payer ce médicament. Bonjour mesdames. Est-ce que vous savez combien coûtent les médicaments contre le cancer ? Est-ce que vous savez que certains médicaments doivent les payer de notre poche ? Des médicaments vitaux ? Est-ce que vous avez 100 000 francs, vous, pour payer des thérapies ? Non ? Et vous feriez quoi à ma place ? C'est une bonne question, qu'est-ce que je ferais ? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je ferais ? Je suis pas dans votre carte, dans un sens où je serais perdu. Et vous savez comment ils les fixent, les prix ? À la roulette ? À peu près, ouais. On gueule chaque fois sur le prix des médicaments et puis les assurances montent. On paye de plus en plus d'assurances et ils payent de moins en moins. Et vous savez pourquoi ? Non. C'est pas tant de la faute des assurances que ça, en fait. C'est parce que les entreprises pharmaceutiques, elles fixent des prix comme ça, en disant on a le monopole de ce médicament. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a 100 000 francs pour moi ? Non. Comment vous feriez ? Bah pour moi, pour payer les médicaments. Avoir quelque chose un tout petit peu pour nous. Mais alors comment vous feriez si vous deviez payer des médicaments à 100 000 francs ? Bah malheureusement, on ne pourrait pas se le permettre. On ne pourrait pas se le permettre, hein. J'ai pas de solution. Bah l'État en a une, en fait, de solution. Ils ont les moyens de faire des licences obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a des génériques qui arrivent sur le marché pour qu'il y ait de la concurrence et qu'il n'y ait pas juste le monopole des grandes entreprises pharmaceutiques. Alors, il faut la volonté des politiciens.